Lionel Jospin, les Français se méfient de plus en plus de la politique et des hommes qui la font. Alors comment concevez-vous votre rôle ? Un homme politique, pour moi, c'est un homme fidèle à des convictions. C'est un homme qui est au service de ses concitoyens. C'est un homme qui veut le bien de son pays. Et j'ai l'impression que, entre le jeune étudiant que j'ai été, engagé dans les conflits de ce siècle, le diplomate au service de l'État, le professeur d'université, libre de ses idées, le député, le leader socialiste et le ministre chargé de l'éducation nationale. Je n'ai pas vu ou trop vu de rupture par rapport à ces trois points. Bah, tout de même, avec toute cette corruption, ces affaires, la corruption ambiante, est-ce que vous ne trouvez pas que la politique a d'abord besoin de morale aujourd'hui ? C'est vrai que quand on a mis l'argent au premier rang des valeurs, il ne faut pas s'étonner que la corruption gagne. Et en ce qui concerne les affaires, pour être très précis, il faut que les juges puissent aller jusqu'au bout de leur travail. Et président de la République, je garantirai l'indépendance de la justice. Il faut aussi être très ferme en ce qui concerne les risques d'enrichissement pour les hommes politiques. C'est pourquoi j'ai fait des propositions pour qu'on connaisse très clairement leur patrimoine. Alors au fond, c'est quoi être président de la République ? Ah, président de la République, c'est être au service du pays, c'est représenter la cohésion nationale, être pour moi un président de tous les Français, veiller aux grandes orientations de la France. Et puis, si l'on vient du peuple, eh bien, c'est rester proche de ce peuple, c'est admettre la critique, c'est être prêt au débat. C'est ce que j'ai voulu dire en parlant d'un président citoyen, mais un président citoyen, c'est quand même un président qui décide. Je suis convaincue que les Français savent qu'une société ne se construit pas uniquement par la loi, par le haut, et que la démocratie, ce n'est pas seulement voter tous les 5 ou 7 ans. Les Français sont prêts à se mobiliser, à condition qu'on les y invite. Et je pense particulièrement à tous ces militants, ces bénévoles, des associations, des syndicats, mais tout simplement à tous les hommes et les femmes de notre pays qui souhaitent une société moins dure, plus humaine et plus solidaire. Eh bien, c'est ce que Lionel Jospin nous propose, en voulant mettre la société en mouvement pour agir ensemble dans une double ambition, un emploi pour tous et mieux vivre ensemble. Pour moi, ce qui change vraiment avec Lionel Jospin, c'est d'abord un retour aux valeurs profondes de la gauche, auxquelles je crois, que je me reconnais dans ce qu'il dit, lorsqu'il dit par exemple sur l'exclusion, sur la drogue, sur le sida, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur, que je crois à son exigence de justice, qui est la sienne, qui est la mienne aussi, que j'aime profondément cette notion de président citoyen, qui est une chose auquel je crois que nous avons besoin, vraiment, profondément, et que je lui trouve une stature de président, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas varié dans ses convictions, qui ne varie pas dans ses convictions et qui les affirme. Ce n'est pas la championne olympique de judo qui vous parle, mais la citoyenne. Dimanche prochain, comme vous, j'irai élire le nouveau président de la République. Il est donc important de ne pas se tromper. Si aujourd'hui ma situation est privilégiée, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis issu d'un milieu modeste d'ouvriers, et je sais que jamais un parti de droite n'a œuvré pour l'ouvrier. Les riches ne prêtent qu'aux riches, c'est bien connu. Et même si la gauche nous a parfois déçus, il faut être derrière celui qui se servira des leçons du passé pour incarner le vrai changement. Mon choix est clair, je mets donc tous mes espoirs en Lionel Jospin. Aujourd'hui, deux conceptions s'opposent. Une fois l'élection finie, la droite veut confisquer le pouvoir et ne rien changer aux habitudes. Moi, je vous propose de renouveler profondément la vie politique. Des élus plus responsables et plus efficaces, car plus présents, grâce à une limitation stricte du cumul des mandats. Un Parlement qui peut alors pleinement jouer son rôle, proposer, légiférer, contrôler. Des ministres moins nombreux pour que le gouvernement soit un lieu véritable de délibération collective. Un président pour 5 ans, un président qui décide, mais qui reste un citoyen. La politique est comme la vie, une invention permanente. Pour rester fidèle à nos valeurs, nous devons adapter au monde d'aujourd'hui nos règles et nos pratiques. Dessinons ensemble un nouveau visage à la démocratie.